Salut Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Ça va Laure? Eh bien, bah, bien et vous? Et toi? Supportrice du Paris Saint-Germain? Ouais. T'es supportrice de Karim Benzema aussi, non? Non, au contraire. Alors, je pense que alors, Benzema est une grosse blague. Ah non, je te permets pas de dire ça comme ça. Ah, je suis désolée, mais attends, il a pas marqué depuis juin 2012 en équipe d'accord, de France. D'accord. Il est pas titulaire du Real Madrid. Alors, pour ça, rien que pour ça, tu ne veux pas qu'il soit titulaire demain soir? C'est ça. Je pense que par rapport à d'autres, il se démène pas autant. Et si demain soir, Karim Benzema te marque deux buts, qu'est-ce que tu vas me dire le lendemain? Il n'est pas dans le collectif, et ça n'empêche pas, ça n'excuse pas le fait qu'il n'ait pas chanté la Marseillaise, et donc il n'est pas vraiment représentatif d'un bleu. Mais si, il est représentatif pour ce maillot noir. Arrêtez de tomber dans ce fameux piège à chaque fois, de ce que l'on dit, ce que l'on tend. Le plus important, c'est qu'il soit sur le terrain, et qu'il soit bon demain soir. Oui, mais s'il n'a pas été bon depuis juin 2012. Certes, c'est vrai que c'est le problème de l'attaquant, Bernard. Tu peux lui répondre oui. À l'heure Il y a un attaquant qui marque pas. Parce que l'heure, elle joue ensemble dans son club aussi. Je ne discute pas avec les femmes de football. C'est pas beau ça, Bernard. Non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon. Oui, de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux.